En politique, la course au beffroi de Lille est désormais lancée. Samedi, Martine Aubry a dévoilé son programme et son tract de campagne. Un papier qui fait aujourd'hui grand bruit puisque dessus il figure le logo du MoDem. Or, le MoDem n'a jamais donné son accord. Pour le patron centriste François Bayrou, il y a une usurpation d'identité. Le rival de Martine Aubry, Jean-René Le Serre, qui a reçu le soutien du MoDem, est monté au créneau et dénonce un flagrant délit de mensonge. Les précisions avec la présidente régionale de l'UDI, Valérie Létard. J'ai donc pris la tâche d'appeler François Bayrou pour demander quelle était sa position officielle. Et il m'a donc dit formellement, hein, il m'a dit je te demande de signifier formellement par communiqué qu'effectivement jamais n'avait été donné l'autorisation de ma part, en tout cas pour ma part, d'utiliser le logo MoDem sur les affiches de Madame Aubry, que c'était une usurpation, c'est son terme, je l'ai repris stricto sensu, et qu'il n'y avait jamais eu aucun accord de signer, ni signifié par François Bayrou.